fais bien. Toi, tu fais bien la machine. Oui, c'est bien. Merci, la programme. Alors là, ça introduit une difficulté, oui. Qui est que l'enfant peut essayer de le faire de l'autre côté. Ah oui. Et tu fais changer de jambe. Du côté de la porte, vous mettez par terre et... Alors, moi, quand ils ont compris ça, moi, je fais, ils sont les deux à genoux, et je ne sais pas quel genou va être levé. Donc, ils choisissent un genou. Et moi, il faut que je réagisse en faisant tourner du bon côté. Et comme ça, ils font ça le plus rapidement, entre guillemets, le plus rapidement possible. C'est-à-dire, puis il lève un genou. Ah, si je fais ça, c'est à lui aussi de résister, entre guillemets, pour montrer que c'est pas possible. Alors bon, ça marche. Là, tu parles, là toi, tu parles quel âge là? 6 ans. Là, 6 ans, oui. 6 ans, toi? Ouais, 6 ans. Là, c'est là qu'il les gonds de la porte, quoi. En fait, la porte, il faut le voir comme ça. Mm-hmm. Parce que le problème qu'on a, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il reste face. Ah, il reste face ou il rentre dedans. Il rentre dedans. Il rentre dedans et il reste là. Il faut absolument arriver à leur faire comprendre l'intérêt de tourner. Et ça, c'est vachement difficile. Alors, moi, des fois, pour éviter qu'il aille là, pour éviter qu'il aille là, si tu veux. Non, en fait, là, c'est là que ça tourne. Donc, si il met le pied là, il ne faut pas qu'il est obligé de tourner le pied comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut rester sur le même. Parce que souvent le problème qu'ils ont, c'est que, par exemple, ils viennent là. Ici, donc ici, tu prends le volant, le guidon ouais. Du vélo, toi tu prends ma manche, voilà. Ouais. Et on va tourner le guidon du vélo, puis sur un vélo il y a une pédale bien sûr, donc sur la pédale moi je suis plutôt sur ça aère un petit peu. D'accord. Donc, on donne un petit coup de pédale, on donne un petit coup de pédale, et en même temps, ici on tourne le bâton. Voilà. Et on accompagne jusqu'au bout pour pas que l'enfant se fasse mal. C'est plutôt ça aère. Mais je ne sais pas s'il y a 6-8 ans, dans l'apprentissage, ça a beaucoup d'importance. C'est tourné qui compte, c'est ça. C'est tourné qui compte. Et c'est du bon papier parce que c'est le pantalon relevé qu'on attaque. Et en fait, bien entendu, je pense que ce n'est pas du tout gênant si l'enfant fait ça. Parce que s'il apprend ça, ça va faire un chibouma. S'il apprend ça, c'est une sorte de taïatushi. Ça, c'est même taïatushi. Donc, en fait, sur cette action de bras, ok. Alors, évidemment, si je mets le bras là comme ça, ou si je mets le bras là comme ça, c'est un peu différent. Mais à cet âge-là, de toute façon, ce qui est important, c'est vraiment la rotation. Voilà. Ici, on va tourner un gros volant de famille. Ouais. On a comme ça, le volant ici. Ouais. Et tout en tournant le volant, je suis tourné. C'est juste en volant, tu vois, qui tourne un peu. Tu dois le tourner, donc t'es la cabine du camion. On le tourne en même temps. Puisqu'il y a, tu peux aller à la gauche. Donc en fait, même s'ils font comme ça, ils font là, et là, tout de suite, je leur fais prendre un.
décaler. Parce que si je reste là, ah, j'ai perdu. Hein, c'est pas un mouvement, quitte à la limite à ce que naturellement, ce naturellement, il s'écasse comme ça. Je mets la jambe là, comme ça. Est-ce que c'est pas plus facile de commencer à par ça, dans le sens où je n'ai pas, dans ce cas-là, je me concentre que juste sur la rotation. Je ne fais pas une rotation tout en laissant un pied ici, ce qui me semble quand même compliqué. Je ne sais pas, je... Il y a qui vont faire ça, qui vont faire ça. Parce que, oui, le isolement, c'est compliqué, mais j'ai deux gamins qui. J'ai dû monter une fois, et eux, ils font bien. Ouais. Parce que, ça leur convient, hein, ils ont ressenti. C'est une chaise, il y a des pieds, et à Shiguruma, tu mets ta jambe en haut du pied, et tu tournes comme ça. Elle est prête déjà ? Ah, elle n'a pas changé. Mais le salon de ma mère, il a changé. Donc en fait, si tu veux... Si tu veux t'enrouler autour du pied, il va falloir que tu fasses comme ça. Comme un serpent. Voilà, comme un serpent, exactement. Il était là, il parlait la jambe, il était tout en avec ça. C'est ça. Partant de là, on a fait tout ce qu'on a fait, parce que j'avais pas. Voilà, c'était engager le corps. Car en fait, on engage l'épaule, la tête, pardon. Après, il y a l'épaule qui suit, va tenir. Donc, plus en respiration, et puis après, dans le mouvement, il y a la jambe qui se place. D'accord, c'est ça. C'est en fait une collade. Donc bon, ça c'est une méthode, c'est la méthode pour regarder le tout est un peu, c'est ça, on n'engage pas. Tu fais rigueur, tu fais rigueur, ouais. Les corps doivent rester parallèles, c'est-à-dire si je suis comme ça, je ne suis pas efficace en mes agrumas. Pour que ça fonctionne, il faut que je fasse tomber et que je reste parallèle à la limite tout le temps. Donc ça oblige à complètement tourner. C'est la première chose qui est fondamentale pour moi. La deuxième chose, c'est d'utiliser le poids. Et pour utiliser le poids, en fait, je fais l'exercice suivant, on se met en arrière. Donc je prends indifféremment, je ne prends pas au col, on se met en arrière et on va se déplacer poids du corps d'un côté, poids du corps de l'autre, poids du corps d'un côté, poids du corps de l'autre. Et comprendre qu'à partir du moment où je vais aller un petit peu plus vite pour déplacer mon corps, forcément, il va décoller. Que ce soit à droite ou à gauche. Si à un moment donné je vais un petit peu plus vite, il va décoller. Donc ça c'est vraiment les deux points qui sont les plus importants. Avec le gars qui fait cul buto, c'est-à-dire qui fait cul buto. Et à partir du moment là, moi je fais un cul buto inversé. Et là. Et au moment où tu veux avancer, tu vas avancer. Voilà, sur la jambe arrière, et puis, allons bien. Bien s'essuyer, et puis, voilà, tu trouves. Voilà, c'est ça, on brosse. Et en bloc, exactement. Je m'essuie un petit peu. Quand on tombe, c'est parce que le corps n'a pas anticipé la prochaine étape. Je m'explique. Si il avance. Pourquoi est-ce qu'il ne tombe pas ? Parce qu'il sait qu'il va mettre un point d'appui ici. S'il y a un trottoir là, et qu'il cogne dans le trottoir, il va tomber parce qu'il a mis tout le poids du corps sur la jambe gauche. Donc en fait, pour moi, Isaac Grouma, dans cette forme-là, c'est l'abandon de trottoir. C'est-à-dire que quand il arrive, je vais simplement bloquer le pied, le genou. Mais je ne mets pas de pression sur le genou. Quand il a le poids ici, je peux rien faire. Parce que si je fais ça, lui il va soit il va lever,
soit il va rééquilibrer, voilà, c'est bon. Si je le prends quand il a 30, quand le genou est passé, c'est pareil. Je ne peux rien faire parce que le poids est transféré. Le bon moment, c'est là. Voilà. C'est juste là. Quand il veut partir. Voilà. Même s'il est là, il faut qu'il soit en train, l'idéal, pour moi, c'est quand il est en train de repasser le pied, le poids sur le repas en droit. Et là, il est bloqué. Là, il a prévu, lui, de rééquilibrer en mettant le pied ici. D'accord ? Si, ici, je tire, qu'est-ce qui se passe ? Bah, instantanément, le poids est bloqué. Donc, si en même temps, il fait ça, je fais ça, il va tomber. Dans ce cas-là, je suis obligé de tirer vers le bas. Et de mettre le pied, mais en tirant vers le bas. On tourne et hop, on fait tomber comme ça. Ça. Uchigari, hein. Là, c'est difficile. Par contre, si je le pousse là, là c'est facile. Parce qu'il n'y a plus de contact. Hein, donc ils se mettent comme ça. Et ils peuvent faire ça. Alors, ils peuvent même faire l'essuie-glace. J'appelle l'essuie-glace, c'est un top, jusqu'à ce qu'ils tombent sur les fesses. Okay. Donc le gros lutteur, il est balèze, hein. Donc il a les jambes bien écartées, voilà, puis il arrive sur moi. Donc lui, comme il a des grandes jambes, il fait des grands pas. Hein, et moi, je fais tout petit judoka, je suis tout frêle. Donc voilà, lui, il avance bien. Puis il y a un moment donné, il vient se coller sur moi. Oui, quand il avance. Il vient se coller sur moi parce que j'aime bien cette notion de contact pour après essayer de faire travailler ça. Donc lui, il arrive sur moi. Et, plus là, qui veut, lui, il fait des grands pas. C'est là tout. Ah ouais. Oh. Ça, c'est pas Quand il tient la main. Oui, mais tu peux le faire. Non, mais c'est bon.
changé de côté. On est d'accord. D'accord. Non, si tu laisses la main sur la table ici, aujourd'hui. Alors ça, tu peux faire le tien. Comme ça. Tiens, ça aussi.